فشابه الصوم لله يجزي كيف شاء به يا رحمة الله اجزي الذنب بالكرم dans le coin. Oui. Vous êtes le côté Vénitieux. Non, j'habite là, Naïnak, là. Juste là. On est combien de mètres de la mosquée? Quoi, il n'y a pas 300 mètres là, 200 mètres. Vous allez faire la prière de temps en temps? Bien sûr. Oui. Ben, ça c'est sûr. Vous êtes préparé pour Ramadan? Bien sûr, c'est Ramadan, c'est la fête pour les musulmans, non? C'est dans quelques jours. Hein. Ah ouais, c'est dans une semaine. Tout. Ouais. On se prépare déjà. Les deux. Bonjour. Bonjour. C'est quoi pour vous le ramadan? Pour moi le ramadan c'est des musulmans qui se lèvent tôt le matin pour manger et boire et qui passent la journée sans manger et sans boire et qui attendent le coucher du soleil pour pouvoir manger pour la journée. Vous avez fait quoi comme préparation à propos de préparation? On se prépare moralement et physiquement, la première des choses, et après on va acheter des trucs pour le ramadan et tout. Parce que... bien sûr c'est tout le travail, hein. C'est tout le travail. Il faut bien organiser dans le travail. Vous restez à Lyon, vous partez pas au bled? Non, je pars pas au bled. Parce que là, Ramadan là. Vacances. On reste à fait. On va passer le Ramadan au bled. Ouais. Cette année, on va passer le Ramadan là. Inch'Allah. Taraoui? Oui. Soir ou presque? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend le travail, ouais. Ça dépend. Si je suis fatigué. Parce que là, en France, c'est le travail qui est. C'est un grand obstacle pour nous là, même pour les fêtes, pour Ramadan, pour tout. Est-ce que vous savez pourquoi ils font ça les musulmans? C'est leur religion, c'est partie de leur religion. Ouais. C'est une étape de la religion pour eux dans le Coran. Il n'y a pas le goût de Ramadan en France. Hein. C'est mon premier Ramadan ici. Oui, nous chez nous, on fait avec les enfants et tout. Oui, on fait les plats du bled. Ah, moi je mange les plats du bled, ma femme elle est du bled, je mange les plats du bled. Ça, je mange les plats du bled. Et sinon, spirituellement, mis à part ne pas manger, ne pas boire, Ramadan, est-ce que vous sentez un petit goût quand même où on est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ouais, ça, bien c'est sûr. Sûr. Ouais, je sais pas moi, le corps il se repose, on a, comment on dit, un rahma qui descend le mois de Ramadan. Il y a plein de trucs qu'on peut sentir, quoi. Il y a plein de trucs, c'est spirituellement, je peux pas t'expliquer, mais oui. tu vas sentir du truc le mois de Ramadan, ouais, tu vas sentir oui. du truc, tu seras libre, ouais. On lit beaucoup de Coran et tout, le soir, tranquille, bien. C'est magnifique, c'est l'occasion ou pas. Ouais. Sinon, vous habitez dans le quartier, peut-être que vous connaissez des gens autour de vous qui font le Ramadan? Non, pas du tout. La famille éloignée peut-être, mais sinon je sais pas s'ils le font, mais on est plutôt de l'ouest lyonnais sinon. Ouais, non, je connais pas, non. Parce que tout le Ramadan c'est... Hajjahara Ramadan, c'est autre chose. Inch'Allah, vous êtes marié? Ouais. Vous aidez votre femme à cuisiner un peu ou pas? Oui, bien sûr, un petit peu. Ouais. Pas, je la laisse, là, tranquille. Bah, je sais pas cuisiner, donc elle sait faire. Et puis le sahur, vous mangez quoi? Ah, je mange pas moi. Pas j'aime pas. Non. Moi je mange couscous. C'est vrai? Ah ouais. Salé, sucré? Ah non. Salé. Avec du lait. Ah super. Ouais. Moi j'aime pas manger. Le soir non. Je mange le f'tor jusqu'au f'tor direct. On mange et on part travailler. Hein. Si on va pas partir au travail, ben le soir. Hein. C'est pour ça que je mange et je sors. Parce que je reste pas jusqu'à 9h ou. 3h. 4h, tu vas pas dormir là. Je dors pas, je dors vers 10h ou bientôt vers, je sais pas, vers minuit.
Et puis vous, donc, vous n'êtes jamais fait inviter pendant le ramadan pour manger? Ah non, pas du tout. Jamais, non. Non. Surtout qu'il doit bien manger pendant le ramadan. Quel dommage. Ouais. Ah, sinon, non. Je connais personne qui fait le ramadan. Ça fatigue pas trop le taraoué. Ouais, c'est des rakats, ça fatigue pas trop. Hein. Et tu te reposes en rakats. Si pas, après, il y a des trucs que tu peux sentir quand tu fais le taraoué. Par exemple, quand ça arrive à la fin, le doha et tout, ça te soulage vraiment. Moi, quand j'attends le doha, des fois je pleure et tout. Et après, ça dépend. Moi, je ne sais pas, c'est la chair de poule. C'est à part le ramadan, c'est à part. Il repose le corps pendant les taraoué. On prépare pour deux mois. On prend un peu du rahma et tout pour deux mois. Chaque ramadan, c'est chaque al-ghufran al-rahma. Ouais. Après, j'espère que Dieu va accepter notre ramadan à tous les musulmans. Amin, amin, Inch'Allah, qu'il nous accepte tous. Il accepte toutes nos actions. Est-ce que vous avez une dédicace pour tous les frères, tous les musulmans qui sont à Lyon, partout dans le monde, les forts, les faibles? Ça dépend. Je pense à nos frères de Palestine pour le mois de ramadan. Et je souhaite un bon ramadan à tous les musulmans, surtout de ma ville d'Annaba, les Allemands et tout. Et à toute la famille, que Dieu nous garde, nos parents, les amis, nos femmes. Et alhamdoulilah pour cette année. J'espère qu'on pourra faire dans 10 ans, dans 15 ans avec nos enfants et nos parents aussi. Inch'Allah. Oui, on passe le bon salut pour toute la famille, pour l'Algérie. Là, à Grenoble, la famille à Grenoble. Là, Inch'Allah, on va passer un bon ramadan. On s'approche vers les dieux. C'est le moment quasi au port.